on se retrouve pour la carte du jour de ce mardi 5 février 2019 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Alors, quel est le message de l'oracle de Cristal? Alors, je vais aller ici, voilà. Hop. Croyance. Croyance. Mes croyances peuvent me freiner. Peut-être vous posez les questions, quelles sont vos croyances à propos des autres? Et surtout, à propos de vous. Sont-elles aidantes dans la réalisation de vos projets ou pas? Ou bien au contraire, limitantes? Alors si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, peut-être qu'il est temps pour vous, eh bien, de faire un bilan et d'examiner de plus près ce que vous croyez à propos de vous-même et à propos de ce que vous désirez. Il s'agit probablement de croyances erronées qui vous bloquent. Alors, par exemple, si vous désirez de l'argent, mais que toute votre enfance, vous avez entendu des phrases du genre, par exemple, « l'argent c'est sale » ou « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut travailler dur pour gagner de l'argent » ou encore « tu ne mérites pas d'avoir de l'argent », bien, ce sont des croyances erronées. Vous avez certainement une croyance erronée concernant l'argent. Et consciemment ou inconsciemment, hein, on va le dire comme ça, hein, consciemment ou inconsciemment, eh bien, vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas en avoir ou que vous ne le méritez pas. Donc, vous mettez une barrière dans une croyance qui est erronée. Vous devez remplacer cette croyance qui est complètement négative hein, par une croyance positive évidemment et qui est cohérente et qui va vous aider, qui va donner confiance en vous et vous porter dans la réalisation de vos projets. Un autre exemple vous a peut-être dit « vous êtes bon à rien ». Vous ne ferez jamais rien de bon de votre vie. Mais vous voyez, les croyances qu'on vous a inculquées, ce n'est pas du tout dans le positif, c'est vraiment dans toutes ces croyances négatives. On vous a sous-estimé, vous avez ce manque de confiance en vous à cause de ces croyances. Alors, pour réaliser et pour changer ces croyances en positif, pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir réaliser vos rêves et avoir la confiance, cette confiance en vous, mais vous pouvez utiliser quotidiennement des affirmations positives qui sont justes pour vous. Par exemple, je mérite de gagner de l'argent, j'attire en ce moment même de plus en plus d'argent, ou j'ai toujours plus d'argent que je n'en ai besoin. J'attire à moi les projets que je mets sur pied. Alors vous allez attirer les bonnes personnes. Les affirmations positives vont vous aider à ancrer de nouvelles croyances qui seront porteuses de réussite. Et dès que vous aurez supprimé toutes vos résistances, eh bien, vous recevrez ce que vous désirez.
Alors, dès aujourd'hui, clarifiez vos croyances et transformez celles qui vous limitent. Transformez-la en positif. Alors, affirmation pour cette journée, quelques affirmations. Je me libère de mon passé avec joie. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je mérite l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment. Je mérite l'amour, la prospérité, la santé. Je choisis de me libérer de tout ce qui me freine pour évaluer, pour, pardon, évoluer dans mon cheminement ici sur Terre. Eh bien, c'est un très très beau message, hein, de l'oracle de cristal. Eh bien, voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle carte du jour. Je vous embrasse, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À demain.